Sly, saute sur le couvercle de ce chaudron pour faire monter la pression. Je suis sûr que ça t'aidera à te propulser. Je sens les vibrations de Cooper approcher. Mais quelles ondes horripilantes! Oui, eh bien vous n'êtes pas franchement mon style non plus. Vous n'avez rien de mieux à faire que concocter une armée de fantômes? Sly, je vois bien que tes lèvres bougent. Mais tout ce que j'entends, c'est un semblant de blablabla. Bon, si tu veux gaspiller ta salive, eh bien libre à toi! À très bientôt, dans un autre monde, Sly Cooper! Revenez, vous ne pourrez pas toujours fuir. Ma foi, cela est vrai. Que dirais-tu de te faire escorter là-bas par mon fidèle serviteur Chumley? Ça m'a l'air louche. Mais non, voyons. Il s'agit juste d'un jeu que je soumets à tous mes invités soporifiques. Il s'agit de tester leur capacité de concentration. C'est-à-dire? Eh bien, je vais déchaîner mes charmes magiques surpuissants sur toi, Sly. Si tu suis bien ce que je fais, tu parviendras à les éviter. Sinon, adios, ratanos. Un jacadi version vaudou, en somme. Ça me botte.
as vraiment le sens du rythme, raton. Mais cela ne t'aidera aucunement lorsque tu te trouveras face au Panda King. C'est un vrai dur à cuire. Si par malheur tu t'aventures dans sa forteresse en Chine, tu risques de le regretter amèrement. S'il est aussi doué que vous autres, je devrais m'en sortir. Les pages du Volus Ratonus reprises à Miss Ruby contenaient des notes de mon ancêtre inventeur, Sly Tankamon. Sa technique d'invisibilité lui avait permis de voler des pharaons corrompus et des nobles cupides. Toujours à l'heure, l'inspecteur Fox me poussa à partir. La production de zombies, rendue illégale par le traité de paix de 71, valut à Miss Ruby d'être incarcérée à vie. Mes amis et moi-même profitâmes quelques semaines du soleil tropical, peaufinant notre bronzage avant de reprendre nos aventures.